Votre relation ne durera jamais si vous faites ces 10 choses. L'une des choses que j'aime voir lorsque je suis en déplacement, ce sont de vieux couples qui se promènent main dans la main ou qui rient ensemble. C'est une affirmation si forte que oui, contre toute entente et quoi qu'en dise le monde, l'amour peut durer toute une vie. Les couples qui ont réussi à maintenir l'étincelle, même après des décennies et des décennies, savent comment faire fonctionner leur relation. C'est en fait une question délicate, car ce qui marche peut varier d'un couple à l'autre. Mais quel qu'il soit, il existe des interdits universels que nous devrions tous essayer d'éviter si nous voulons que notre relation résiste à l'épreuve du temps. Voyons ce qu'il en est. Numéro 1. Considérer son partenaire comme acquis. Au début de toute relation, il est impensable de considérer son partenaire comme acquis. Après tout, c'est le moment où tout ce qui le concerne vous fascine et où vous vous efforcez de le rendre heureux et de l'aimer. Mais au fil des ans, ce sentiment d'émerveillement va certainement s'estomper et c'est tout à fait naturel. Il se transforme en un sentiment plus calme et beaucoup plus confortable, comme si votre partenaire vous correspondait comme ce vieux pull miteux que vous adorez. Toutefois, cela comporte le risque que vous deveniez si à l'aise l'un avec l'autre que vous commenciez à vous considérer comme acquis. À quoi cela ressemble-t-il? Tout d'abord, vous risquez d'oublier d'apprécier les petites choses qu'ils font. D'autre part, vous êtes tellement habitué à leur présence que vous ne remarquez pas quand ils ont besoin de quelque chose, qu'il s'agisse d'affection ou de soutien émotionnel. Ainsi, quel que soit le nombre de mois ou d'années que vous ayez passé ensemble, n'oubliez jamais que votre partenaire n'est pas obligé d'être avec vous. C'est un choix qu'il fait chaque jour. Cela vaut toujours la peine de prendre le temps de lui dire merci et de le surprendre avec des actes de gentillesse. Numéro 2. Refuser ou oublier de communiquer. Il s'agit là d'une autre chose qui peut facilement mener votre relation au bord du gouffre. Je me suis retrouvé une fois dans une relation où j'estimais que mon partenaire devait me connaître suffisamment pour savoir instinctivement ce que je ressentais. Lorsqu'il s'est avéré que ce n'était pas le cas, je me suis senti profondément blessé et déçu. C'était mon erreur. Je m'attendais à ce qu'elle lise dans les pensées. J'aurais dû faire preuve de responsabilité et m'exprimer. Une communication honnête et ouverte est le fondement de toute relation durable. Et il ne s'agit pas seulement des choses importantes, même pour les petites choses comme la répartition des tâches ménagères, la communication est la clé. Avec une communication constante et ouverte, vous aurez moins de chances de voir des blessures s'envenimer à l'intérieur de votre couple. Ce qui m'amène au point suivant. Numéro 3. La rancune. Je pense que nous savons tous maintenant qu'il n'est pas bon de garder nos sentiments pour soi. Et pourtant, c'est parfois incroyablement difficile à éviter, n'est-ce pas? Tout le monde ne trouve pas facile de dire à son partenaire qu'il se sent blessé, surtout s'il s'agit de quelque chose d'anodin. Mais vous savez quoi? Balayer ses sentiments sous le tapis n'est pas juste non plus. Chaque fois que vous le faites, vous ne donnez pas à votre partenaire la possibilité de rectifier le problème ou de vous montrer qu'il comprend. Pour ce que vous en savez, il n'est peut-être même pas conscient qu'il vous a blessé et, une fois qu'il le saura, il s'en excusera. Entre-temps, depuis que vous nourrissez de la rancune, il se peut que vous ayez toutes sortes de pensées négatives à son sujet. Il est égoïste, inattentif, n'est pas un bon ou une bonne partenaire, négligent ou négligente, etc. Cette négativité peut éroder votre relation si vous la laissez perdurer. Alors, encore une fois, communiquez. Faites-lui savoir ce que vous ressentez, puis pardonnez. Numéro 4. Laissez tomber les relations amoureuses. Si vous vous engagez sur le long terme, vous ne pouvez pas laisser les sorties en couple tomber dans l'oubli. C'est ce qui arrive souvent lorsque les couples aménagent ensemble. Ils se demandent s'ils ont encore besoin de sortir ensemble alors qu'ils sont tout le temps ensemble. Apparemment, oui,
Les rendez-vous sont toujours un ingrédient essentiel d'une relation saine parce qu'ils maintiennent l'étincelle en vie. Avez-vous entendu parler de la règle du 2-2-2? De nombreux couples croient en sa capacité à entretenir la romance. En gros, vous devez sortir ensemble toutes les deux semaines, partir en week-end tous les deux mois et faire un voyage d'une semaine ou plus tous les deux ans. Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre programme de sortie comme vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui compte, c'est la qualité de vos échanges et non la quantité. Après tout, à quoi bon aller à un rendez-vous si votre esprit est toujours au bureau? Assurez-vous d'être présent et pleinement investi à chaque fois que vous êtes avec votre partenaire. Numéro 5. Oubliez son individualité. En parlant de passer du temps ensemble, j'aimerais aborder la question de savoir quand le fait de tout faire ensemble en tant que couple peut devenir problématique. Lorsque les couples deviennent trop imbriqués, ils courent le risque de perdre leur sens de l'individualité. Dans certains cas extrêmes, cela peut même conduire à la codépendance. Et cela ne devrait pas être le cas. Les meilleures relations sont celles où les deux partenaires sont là l'un pour l'autre, tout en conservant leur propre individualité. Ils peuvent partager un hobby commun, mais chacun a ses propres intérêts et ses propres amis. Cela leur donne un sentiment d'indépendance et apporte une dose de fraîcheur à leur relation. Ainsi, quel que soit l'amour que vous portez à votre partenaire, réservez-vous du temps pour vous occuper de vos propres affaires. Passez du temps avec vos amis et n'ayez pas peur de revendiquer votre espace personnel et votre solitude. Numéro 6. Comparer sa relation aux autres. Il est dans la nature humaine de se comparer. Nous voyons des couples à la fois dans notre vie réelle et sur les médias sociaux et parfois instantanément, nous pensons à ce qui manque à notre partenaire. J'aimerais que mon partenaire ou ma partenaire soit plus doux ou plus douce. J'aimerais que nous soyons aussi heureux. J'aimerais que nous soyons plus romantiques. Ces pensées vous semblent-elles familières? Le fait est que nous ne savons jamais ce qui se passe réellement derrière les portes closes. Ce que l'on voit, ce sont les meilleurs moments ou une façade courageuse. Et même s'il est vrai qu'ils sont heureux, la réalité est que cela n'a aucune incidence sur notre propre relation. Appréciez donc le lien unique qui vous unit à votre partenaire, quel qu'il soit. Votre propre relation est belle à sa manière. Numéro 7. Jouer à des jeux d'esprit. Une autre chose que vous ne devez pas faire si vous voulez que votre relation dure est de jouer à des jeux d'esprit. Les comportements manipulateurs et les tactiques psychologiques n'ont pas leur place dans une relation saine. Quels sont les exemples de jeux d'esprit préjudiciables? En voici quelques-uns. Suggérer une rupture à chaque fois qu'il y a un désaccord. Culpabiliser son partenaire. Essayer de rendre votre partenaire jaloux. Faire de l'obstruction. Tester la loyauté de votre partenaire. Refus d'affection. Ces tactiques peuvent éroder la confiance et la sécurité de votre relation. Choisissez plutôt l'amour, la sérénité, la confiance, la communication. Lorsque vous opérez à partir d'un espace d'ouverture, vous ne pouvez pas perdre. Numéro 8. Porter atteinte à la vie privée de votre partenaire. Il s'agit d'un phénomène courant dans les relations. L'un des partenaires peut avoir l'impression d'avoir le droit de s'approprier la vie privée de l'autre. Il peut lire des textos, fouiller dans des courriels ou dans des affaires personnelles. Vous pourriez dire, s'ils n'ont rien à cacher, cela ne devrait pas poser de problème. Je dirais que non, il y a un problème. Ce n'est pas une question de secret, c'est une question de limite. Nous avons tous nos limites. Je ne serais certainement pas d'accord pour que quelqu'un fouille dans mon téléphone sans mon consentement, même si je n'ai rien à cacher. Je suis presque sûr que vous ne le seriez pas non plus. Dans le contexte d'une relation, envahir la vie privée de votre partenaire lui envoie ce message. Vous ne lui faites pas confiance. Croyez-moi. Cela va étouffer leurs sentiments chaleureux à votre égard plus vite que vous ne pouvez déchiffrer le code d'accès de leur téléphone. Numéro 9. Essayez de transformer votre partenaire en partenaire idéal. Oui, le partenaire idéal. Nous en avons tous un en tête, n'est-ce pas? En réalité, le partenaire idéal est celui que vous avez déjà.
si seulement vous l'acceptiez tel qu'il est. Après tout, c'est de lui que vous êtes tombés amoureux ou amoureuse, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il ne faut jamais les rappeler à l'ordre lorsqu'ils font des erreurs. Bien sûr que si, parce que c'est une façon de les aider à grandir et à s'améliorer. Être meilleur, cela signifie qu'ils n'ont pas à entrer dans un moule préconçu qui est complètement différent de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Lorsque nous essayons de les changer pour qu'ils correspondent à notre idéal, nous leur disons pratiquement « tu n'es pas assez ». La personne se sentira alors inadéquate et peu appréciée, ce qui n'est pas de bon augure pour une relation durable. Et enfin, numéro 10, perdre le respect de son partenaire. Nous en arrivons enfin au respect, autre élément fondamental d'une relation saine. Si vous ou votre partenaire manquez de respect, il peut être temps de revoir votre façon de gérer les conflits. Il ne s'agit pas seulement de crier ou de se chamailler. Le manque de respect peut se manifester de manière subtile, par exemple par des sarcasmes ou des haussements de sourcils, qui sont d'ailleurs les principaux prédicteurs de l'échec d'une relation, selon les experts en relations amoureuses. En fait, dans les relations, le respect peut même être plus crucial que l'amour. Laissez cette pensée vous guider dans les moments où vous avez envie de vous en prendre à votre partenaire. Dernière réflexion. Cette liste n'est pas exhaustive, mais j'espère qu'elle vous donne une idée de ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez que votre relation dure. Et une dernière chose, continuez à travailler. Ces vieux couples que l'on voit se tenir la main, je suis presque sûr que leurs relations n'ont pas toujours été faciles, mais ils ont continué à parler, à essayer, à choisir de s'aimer. Tant que vous êtes engagés l'un envers l'autre, qu'il y a de l'amour ou du respect mutuel, vous pourriez un jour faire partie de ces couples qui se tiennent encore la main après des décennies. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à laisser vos avis dans la section des commentaires et à appuyer sur le pouce levé.